secoue. Eh ben écoute, c'est nickel. Ça secoue des masses. Ah ouais, ça m'a plu. Ah, c'est excellent. Génial. Merci beaucoup, c'est cool. De rien. Merci. Ça m'a fait plaisir de nickel. Faire ton baptême. Avoir la conduite d'un pilote, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y en a qui en font quand même des caisses. Télé-réalité, sport extrême, témoignage exclusif. Bonjour, je suis avec Antonin Brogardé, Renault TV. Renault TV parle de voitures, mais pas seulement. Objectif, toucher un public le plus large possible. Un souhait de divertir qui répond surtout à une volonté d'offrir une vitrine permanente pour la marque. T'avais pas une Porsche avant ? Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Ça, c'est la crise. Dieter fait le plein dans la forêt. Il consomme 25 kg de bois au 100 km. Cette voiture ne coûte pas grand-chose, juste de la force musculaire. Pour posséder cette voiture, il faut impérativement vivre aux abords d'une forêt. Le Lumineo Smera n'est plus un prototype. Voici à quoi ressemblera le modèle de série. Le Smera se situe entre le deux roues et la micro-citadine électrique. Il peut accueillir deux passagers installés en tandem. Les premières livraisons auront lieu à l'automne, comptez environ 30 000 euros. Quelques instants après avoir quitté la ligne de départ, le Ford F-150 du concurrent numéro 7, Scott Douglas, aborde le premier virage. Malgré l'incroyable violence du choc, Douglas en ressort quasiment indemne. J'en suis désolé pour le manque de freinage sur la Toyota Prius. Et ce matin, c'était au tour de Carlos Ghosn, le PDG de Renault, de s'exprimer. Je m'excuse pour le manque d'accélération de la Laguna et je suis profondément désolé pour la forme de la Modus. Une voiture de police contre un bulldozer. Regardez, les policiers qui... C'est le bulldozer qui a gagné, Jean-Pierre. Voilà, oui, on le voit. Ils voulaient contrôler ce bulldozer sans plaque d'immatriculation. Eh bien, les policiers n'ont eu que le temps de sauter de leur voiture avant de se faire écraser, aplatir. Il n'y a eu aucun blessé, mais c'est quand même très impressionnant. Quand on vous dit qu'il ne faut pas les laisser jouer avec la télécommande... Toyota.